Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'Écho de la Trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonne. Déjà, si c'est ta première fois, je te conseille, mon frère, de t'abonner et de faire ton commentaire et de partager la vidéo au maximum. Au nom de Jésus, abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos et tu pourras aussi consulter l'ensemble d'enseignements que nous avons eu à donner par le passé à la gloire de Jésus. Ce soir, je veux parler de l'Assomption. L'Assomption qui est généralement connue sous le nom ou la définition de la montée de Marie au ciel pour faire la différence avec l'Ascension. L'Assomption, c'est la montée de Jésus au ciel. L'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Pour les catholiques en particulier, l'Assomption, c'est cet événement-là qu'ils appellent aussi dormition. La dormition, c'est des mots qu'ils ont inventés pour dire que c'est l'événement où le corps et l'âme de Marie a été réuni au Père. Marie a été élevée au Père. Et son corps n'a pas connu la corruption. C'est ça, en fait, qu'ils appellent la dormition, une forme de sommeil, de dormir. Ça vient de dormir. Une forme de sommeil où son corps n'a pas pourri, n'a pas connu la putréfaction, la corruption, n'a pas pourri, en langage terre à terre. Sauf que, comme c'est, n'est-ce pas, un dogme, le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est une déclaration faite par des philosophes ou des religieux, ou des scientifiques, un dogme, ou des gourous, des sectes, une déclaration faite qui a valeur de vérité et que les oies, le peuple doit accepter comme vérité inviolable et vérité, je ne sais pas comment qualifier ça, vérité incontestable. Voilà ce qu'on appelle le dogme. Donc, que ce soit un fait qui a été réel ou pas, celui qui accepte le dogme doit l'accepter simplement comme un fait qui a existé et qui est une vérité inviolable, inattaquable, au même titre que les paroles de l'Évangile, les paroles de la Bible. Voilà en fait ce qu'on appelle le dogme. Comme c'est donc un dogme, il y a trois versions de ce dogme, c'est-à-dire trois histoires qui relatent l'ascension de Marie depuis déjà vers le 4e siècle à Montagne. Trois. Et il faudrait que le monde entier le sache. Il faudrait que vous le sachiez, peut-être en ne vous l'a pas dit, il faudrait que vous le sachiez. À l'écho de la trompette, nous déclarons la vérité sur ce qui est dit, sur les faits. Les faits sont sacrés. Les commentaires peuvent être libres, mais les faits sont sacrés. La première version est celle de celui qui s'appelle, on l'appelle Éphrem le Syrien. Un Syrien, Éphrem le Syrien au 4e siècle. Éphrem le Syrien dit dans sa version que Marie serait montée, ou alors lui l'affirme qu'elle est montée sur le mont des Oliviers, et là-bas au mont des Oliviers, elle a rencontré un ange qui lui a donné une palme de l'arbre de la vie et qui lui a annoncé sa mort prochaine. Marie, de retour du mont des Oliviers, elle raconte à ses voisins et voisines, à son entourage, ce qui lui est arrivé. Et comme par miracle, dit-il, les apôtres qui étaient sortis pour une expédition évangélique, de retour, sont aussi immédiatement de retour. Ils entourent Marie, elle se couche et elle meurt. Et elle meurt comment? Jésus-Christ leur apparaît avec des anges pour venir prendre son âme. Donc Marie meurt ou s'endort, dormition. Elle meurt. Et les apôtres prennent le corps de Marie et vont enterrer. Peu de jours après, selon Éphrem de Syrie, peu de jours après, Jésus-Christ revient encore dans le tombeau pour prendre maintenant le corps de Marie et la ramener, amener ce corps au ciel et la réunir à l'âme de Marie. Et Marie est ressuscitée pour lui au ciel et elle a donc été glorifiée, élevée et glorifiée. Voilà ce que ce monsieur déclare. Mais comme le mensonge a des coups de jambes, directement plusieurs questions peuvent foisonner. Plusieurs questions. Premièrement, celui qui relate les faits était-il là? Point d'interrogation. La réponse est non. Il n'était pas là parce que lui vient au 4e siècle. Éphrem vient au 4e
phénomène, Jésus leur est apparu. Mais comment ça se passe que ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean, ni l'apôtre Paul, ni aucun apôtre ne rapporte une pareille histoire, si glorieuse pouvait-elle être. Mais l'apôtre Pierre, dans son épître, parle de la transfiguration, parce que la transfiguration n'est pas un phénomène comme les autres. C'est quelque chose d'une importance capitale. L'apôtre Paul, je parle même de Jacques et de Jude. Jude était un prophète. Jacques et Jude sont les frères du Seigneur, sa parenté. Mais comment un événement pareil se passe dans ma famille? Et moi, j'écris les épîtres. Jude écrit son épître. Jacques écrit son épître. Personne n'en parle. Quelque chose qui s'est passé dans leur parenté. Personne n'en parle, bien-aimé, dans leur famille. Mais c'est pour dire qu'il y a anguille sous roche. C'est faux. Il y a quelque chose qu'on cache. On cache de dire aux gens la vérité que cette affaire n'a jamais eu lieu. Et on est obligé de fabriquer des histoires, d'inventer pour amener. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Actes des Apôtres, chapitre 19, cette histoire de Démétrius, l'orfèvre. Nous allons revenir et je vais me proposer de lire ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 19, pour que, bien-aimé, tu comprennes que c'est des fables, des imaginations, des histoires qu'on raconte pour t'endoctriner, pour t'endormir, pour t'égarer, pour que tu t'éloignes de l'objectif. Mais pourquoi Jude parle, Pierre parle, les apôtres Paul, ils parlent des événements qui ont été avant eux. On parle d'Enoch. Enoch, le septième, a été enlevé. Il n'est jamais mort. Enoch n'est jamais mort. C'est un événement. Les apôtres en ont parlé. Mais pourquoi c'est un fait qu'ils ont vécu? Ils ont été, selon ce monsieur Ephraim, que les apôtres étaient des témoins oculaires. Comment est-ce qu'ils ont fait pour oublier un pareil événement? Luc, qui a écrit l'évangile de Luc à Théophile, il dit qu'il a mené des enquêtes exactes. Il va relater de façon exacte les faits qui se sont déroulés à Jérusalem parmi eux. Comment Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, tout ce que les apôtres ont fait, Luc l'a rapporté. Il a même rapporté les devoirs des apôtres. Par exemple, l'apôtre Paul et Barnabas, qui se sont séparés. Il n'a rien laissé. Il a rapporté la résurrection de Tabitha. Mais comment il n'a pas rapporté la résurrection de Marie? Vous comprenez, frère, que c'est une histoire inventée. Ça ne tient sur rien. Il n'y a aucune base. Et on veut te faire croire que tu dois accepter ça comme ça, que c'est la vérité. Sur quelle base? Aucune base. Une maison, un immeuble édifié sans fondement, qu'arrivera-t-il à cet immeuble? Bien-aimés, réfléchissons un peu. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Qu'on ne vienne pas vous abrutir, qu'on ne vienne pas vous ensalopardiser. Ça, c'est comme on parle de l'argent. Je parle souvent de l'ensalopardisation des ordres. C'est comme un pasteur se lève et il dit à ses brebis qu'ils sont des brebis du Seigneur. Et ils sont véritablement, ils doivent accepter qu'elles sont des brebis. Et elles doivent commencer à brouter le gazon. Et elles se mettent à brouter le gazon. Un autre, c'est des dogmes. Qu'on leur fait croire, et on leur fait croire ça comme c'était des vérités bibliques qui sont écrites. Que non! Un autre vient dire qu'ils vont jeûner jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus, et ils vont rencontrer Dieu. On leur fait croire au mensonge, quelque chose qui n'est pas vrai. Et ils reçoivent ça comme un dogme, une vérité vraie qu'ils doivent seulement accomplir. Et pourtant, il n'y a rien de vrai dedans. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas rêver, ne te laisse pas manipuler. Nous avons une base. La Bible, la Sola Scriptura, l'Écriture, les Béréens, examinez. Quand Paul leur annonçait l'Évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, quand Paul annonçait l'Évangile à Béré, les Béréens regardaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. On vous annonce que Marie, il y a eu la dormition, il y a eu l'Assomption. Vous consultez quelle Écriture pour vous rassurer que cela est vrai et que votre âme n'est pas en danger pour l'enfer. Vous nous avez consulté de l'Écriture, vous dites, vous croyez à l'incroyable. Vous croyez à quelque chose qui n'a aucune base. Attention, mes frères. Attention, mes sœurs. Ne vous laissez pas endormir par la religion. Le pion du peuple qui vient vous endormir, vous ensommer. Vous allez vous réveiller trop tard. Quand vous serez déjà très loin de la face de Dieu. L'autre version dit quoi? Mes bien-aimés, avant même de parler même de l'autre version, Jésus-Christ lui-même, avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il dit? D'accord, il parle avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 12 et verset 13. Jésus dit à Nicodème, quand je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. C'est quand je vous parlerai des choses du ciel que vous comprendrez. Et au verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel,
le fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais Élie est monté au ciel. C'est rapporté. Les apôtres même en ont parlé. Énoch, j'ai parlé. Jude parle même d'un événement qui a eu avec Moïse. Puisque lors de, au jour de la transfiguration, on voit bien Moïse et Élie. Alors que Deutéronome nous enseigne que Élie, Moïse a été enterré. Personne ne connaît la mort, on l'a enterré. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Et on le retrouve dans le Nouveau Testament avec Moïse et Élie. Et les deux sont au ciel, ils descendent pour parler avec Jésus-Christ de sa descente à Jérusalem. Mais Moïse vient d'où? Jésus dit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le corps, avec le diable, lorsqu'il discutait le corps de Moïse, il n'a pas porté un jugement injurieux sur Satan. Il dit que l'Éternel te refuse. Il montrait quand même un phénomène où il y a une discussion du corps de Moïse entre l'archange Michel et le diable. Comment il y a eu un pareil événement sur Marie et personne ne le rapporte? Lui, il va rapporter les affaires de l'archange Michel et de Moïse. Et il est sa propre famille, sa parenté Marie. Mais mes frères, posez-vous la question. Il y a quelque chose qui ne donne pas. Ça ne va pas. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui ne donne pas. C'est faux. Et quand on dit personne n'est monté au ciel, dans Romains le chapitre 4, verset 17, la Bible dit un mystère. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Jésus-Christ, par exemple, dans Jean chapitre 17, dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Jésus prie dans la prière sacerdotale, il dit, je ne suis plus dans le monde, alors qu'il est encore dans le monde. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. La même chose, Dieu appelle Abraham, Abraham, père d'une multitude, alors qu'il n'a encore aucun enfant. Donc quand Jésus dit que personne n'est monté au ciel, il sait très bien qu'il y a Énoch, Élie et qui là, Moïse, qui sont là, il a rencontré d'ailleurs Moïse, mais il parle des choses prophétiques. Personne, si en son temps, il n'y a que lui. Que personne ne vient vous mentir après, c'est le Fils de l'homme qui est descendu, qui est le seul qui est monté dans le Nouveau Testament. Nous tous, le reste, nous attendons l'enlèvement. Même l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, qui est allé jusqu'au troisième ciel, jusque dans le paradis, ce n'était pas pour caler. Il est revenu sur la terre et nous rapporter. Même l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui a été enlevé au paradis dans le ciel, il a vu le trône de Dieu et le reste. Il n'est pas calé là-bas, il est descendu. Il n'y a que Jésus qui est descendu du ciel, qui est monté au ciel. La Bible dit, sans compter le mystère de la piété est grand. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Dieu s'est manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Pourquoi si pareil événement a eu lieu sur Marie? On n'a pas aussi fait ce même tracé. Mes frères, réfléchissons un peu. La deuxième version est celle d'un évêque. La deuxième version, cette fois-ci, est celle d'un évêque. Il s'appelle l'évêque Juvénal, l'évêque catholique Juvénal. Lui, il dit ceci à l'empereur, que Marie est morte entourée des apôtres. Les apôtres étaient là et seul Thomas n'était pas là. Donc c'est Thomas qui est devenu le moins cher. Comme il n'était pas là lorsque Jésus a parlé aux apôtres et il a dit que s'il ne met pas sa main dans son côté et s'il ne voit pas la marque des clous et s'il ne voit pas le commandement sur son côté, il ne va pas croire. C'est devenu que Thomas est devenu l'absentéiste. Pour donner l'impression à ce qui s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus. Il vient faire croire à l'empereur dans une autre version que Thomas n'était pas là. Voilà déjà deux versions du dogme de Marie. Le mensonge, Thomas n'était pas là. Mais toi, tu étais là pour voir que Thomas n'était pas là. Qui t'a dit que Thomas n'était pas là? Vous avez vu ça où? Alors que l'écriture est claire. Thomas n'était pas là, dit-il. Et quand donc Thomas est venu là, tu veux qu'on a déjà enterré Marie, il a demandé aux apôtres d'aller me montrer le tombeau de Marie. Ils sont arrivés au tombeau de Marie, il a déroulé la broute, la pierre, et il est arrivé pour voir le corps de Marie. Marie a disparu. Donc, conclusion des apôtres avec Thomas, Jésus-Christ est venu prendre Marie pour ramener au ciel. Elle est montée au ciel. Et on dit quelques jours plus tard. Donc personne n'était là pour voir même que le corps n'a pas pourri. Qu'il n'y a pas eu putréfaction. C'est eux qui inventent, c'est encore un autre dogme. Personne, on dit quelques jours plus tard. Ils sont venus pour vérifier le tombeau. Il n'y avait personne. Combien de jours? Après 4 jours, Lazare avait déjà pourri. Combien de jours, mes frères? Réfléchissons-vous, réfléchissez-vous-même. Certainement, il a connu que, comme Ephraim de Syrie n'était pas au ciel pour voir comment. Dieu a pris, Jésus a pris l'âme de Marie.
mais l'enlever son corps et pour qu'elle ressuscite, personne ne peut vraiment dire qu'il était là-bas au ciel. Il est maintenant fait comprendre que non, c'est Thomas qui n'était pas là, c'est Thomas qui a permis qu'on aille voir au tombeau. Comme lui, il est toujours incrédule, il veut voir avant de croire. On l'a amené au tombeau et puis maintenant, il n'a plus trouvé le corps de Marie. Voilà ce qu'il raconte, ce qui est encore archi faux et c'est faux, c'est très faux. Une troisième version sort encore, toujours de l'origine de l'Assomption. Elle dit plutôt que Marie, l'Assomption n'a pas eu lieu à Jérusalem. C'est toujours eux-mêmes. Hein? Que l'Assomption n'a pas eu lieu à Jérusalem, c'est l'Assomption a plutôt eu lieu à Éphèse. Jean se trouvant à Éphèse parce que Jésus avait dit à Jean dans, à la croix de ne jamais abandonner Marie. Que, et la Bible dit qu'il a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Tout est accompli. Dès ce moment-là, Jean prit Marie avec lui. Donc cette version dit donc que Jean se trouvant à Éphèse, en Asie, c'est dans un endroit qui est appelé aujourd'hui maison de la Vierge Marie. C'est dans cette pièce, dans cette maison, que Marie a été enlevée au ciel, élevée, il y a eu Assomption. Voici ce que cette version rapporte, qu'il y a eu Assomption à Éphèse et non à Jérusalem. Là-bas, les deux autres ont dit à Jérusalem, les autres disent à Éphèse. Mais réfléchissez vous-même, quelle est véritablement dans la version originelle? Vous n'avez aucune base. On vous dit à Éphèse, vous croyez. On dit à Jérusalem, vous croyez. Même si on dit qu'à Rome, vous allez croire. Parce que l'esprit est disposé à l'idolâtrie. Je suis désolé de vous le dire. Vous croyez aux mensonges, aucune base scripturelle. Ce qui est d'abord écrit, vous n'arrivez pas à mettre en pratique. Vous partez pour chercher des choses qui ne sont même pas écrites pour dire que vous voulez mettre en pratique. Vous-même rentrez en vous-même. Quand vous serez devant le trône de Dieu, qui ouvrira la Bible, qui est notre constitution, la norme des normes, la norme suprême dans l'ordonnancement spirituel divin, la Bible, la parole de Dieu, vous ferez comment? Et on vient vous tromper que la Bible vient des traditions, c'est des histoires qu'on a racontées et on est venu écrire. Pourquoi on n'a donc pas écrit cette autre tradition de Marie? Pourquoi ça a échappé? C'est que c'est le mensonge de vos soi-disant hommes de Dieu qui vous trompe pour vous entraîner dans les choses de néant, parce qu'il n'y a rien de vrai dedans. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et maintenant, ce n'est pas Éphèse pour rien. S'il me fallait croire où l'origine de ce mensonge viendrait, moi je pense beaucoup plus que ce serait entre Éphèse et Jérusalem. Ce mensonge, cette fable, cette histoire, en lisant l'Écriture, en confrontant les textes d'Écriture, je vois que c'est Éphèse et Jérusalem. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres, comme je disais au chapitre 19, la Bible dit au verset 24, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Diane, c'est un démon. Dans Éphèse, une femme démon qui était appelée la reine du ciel. Dans Jérémie le chapitre 7, Jérémie le chapitre 7, je pourrais aussi me permettre de le lire. Jérémie le chapitre 7, elle est appelée la reine du ciel. Dans Jérémie le chapitre 7, il dit ceci. Dans Jérémie chapitre 7, à partir du verset 16, il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne lève pour eux ni supplication ni prière, Dieu était fâché, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les rues de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour lui faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Dieu dit que ça l'irrite. Un démon dans Jérémie, c'est combien de siècles avant Marie, avant Actes des Apôtres? Combien de siècles, bien-aimés? Il y a un démon qu'on appelle reine du ciel, ça s'appelle Ishtar, Asherah. Les Éphésiens l'appelaient Diane. Le même démon là existe. Je l'ai expliqué dans la vidéo. Marie est-elle montée au ciel le 15 août? Vous pouvez taper sur ma page YouTube, Écho de la trompette, Marie est-elle montée au ciel? J'ai eu le temps d'expliquer ça là-bas. Je vais paraphraser ce volet ici. Alors, il dit ceci. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait un agent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla. Avec ceux du même métier, et dit, « Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » C'est du business, mes frères. Ça a commencé à Éphèse. Là où on dit que la troisième version dit que Marie est montée au ciel. Vous allez comprendre pourquoi. C'est je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un détournement.
un change, le fusil a changé d'épaule. Un détournement de Diane à Marie. Comme l'apôtre Paul prêchait l'évangile, ça bouleversait le monde et les gens comprenaient que Diane, il n'y a pas de reine au ciel et il n'y a pas une femme qui est déesse. Et ils ont compris qu'ils sont en train de perdre du terrain. Ils ont donc dit que bon, dans l'évangile que Paul prêche, il faut qu'ils prennent quelque chose. Ils voient qu'il y a Diane, il y a Marie. Vaut mieux qu'ils convertissent Diane en Marie. Comme ça, tous ceux qui suivent l'apôtre Paul pourront se redétourner de Paul pour adorer les idoles. L'idole de Diane, sous la nouvelle appellation de Marie. C'est ce que Jéroboam a fait dans 1 Roi, le chapitre 12. Il a établi deux veaux, un veau à Dan, l'autre à Bethel. 1 Roi, chapitre 12. Pour détourner l'attention d'Israël, pour qu'il n'aille plus prier le Seigneur Yahweh à Jérusalem, mais qu'ils aillent plutôt à Dan. Et l'autre, à Bethel, pour adorer les idoles. Et il a établi cette fête le 15e du 8e mois. Et notre 8e mois, nous, dans notre calendrier, c'est le mois d'août. Ils ont établi le 15e du 8e mois aussi, la fête de Marie. Ils ont donc, il y a eu donc détournement d'attention. Et Démétrius dit que c'est leur industrie leur donne un bien-être considérable. Et leur business est en train de se gâter. Mais imaginez-vous qu'une statue coûte seulement même 100 000. En bonne du fort. Mais ils sont près des milliards. Ça fait 100 000 milliards en un temps de cours. Si c'est 100 francs même, ça fait 100 milliards d'un temps de cours. C'est du business. Ça donne beaucoup de l'argent qu'on convertit même en or. Parce qu'on n'a plus d'espace pour choquer l'argent. Verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, c'est à Éphèse que ça se passe. Diane. Mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ce pasteur Bahela a détourné les gens. C'est pourquoi les gens vont me haïr. C'est pourquoi vous pouvez m'insulter. Ça. Je comprends. J'ai pris seulement Dieu d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre ignorance par la grâce de Dieu. Dieu peut me chercher même à faire des incantations contre ma personne. Pour que je meure de quelle manière. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aucun cheveu de ma tête ne peut tomber sur sa volonté. Et si sa volonté, je dis oui, amen, je dis alléluia. Bien-aimés, ils ont commencé à monter des complots contre l'apôtre Paul. Le verset 27, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que... Alors que c'est ça le vrai motif. L'industrie doit tomber en discrédit, c'est seulement ça et ils vont perdre. Mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Quelle est la femme qui est révélée dans le monde entier et en Asie? N'est-ce pas Marie aujourd'hui? Diane est partie où? Alors elle était révélée dans le monde entier. Il y a eu simplement détournement de personnes. On a enlevé Diane, on a mis Marie et on l'appelle la reine du ciel, la mère des apôtres. Marie n'est jamais une reine du ciel. La reine du ciel, c'est un démon. Marie n'est pas un démon. Vous êtes en train de dire que Marie est un démon. Vous aurez la responsabilité devant Dieu. Marie est une brave femme qui a servi Dieu. Elle a gardé sa virginité. Étant fiancée, aujourd'hui, combien sont celles-là qui ont mis Marie au doigt, au cou ou partout? Et donc, chaque enfant a son père. Sont des prostituées, ils sont prostituées jusqu'avec Marie au cou, au doigt, soi-disant Marie. Non, mes frères, Marie n'est pas un démon. Marie n'est pas comme ça. Marie est une brave femme qui a servi Dieu et qui, vraiment, nous, quand nous prêchons, nous parlons de Marie, nous parlons, nous vantons ses qualités, comme les Élisabeth, comme les autres sœurs servantes du Seigneur qui ont servi les Anne, la prophétesse, femme de Phanuel, qui a laissé son mari 7 ans après sa virginité, son mari est mort. Elle a prié bagage. Elle est venue au temple. Elle est un modèle comme Marie, comme les Anne, comme les Élisabeth et les autres. Ces paroles, verset 28, les ont remplis de colère. Ces paroles les ont remplis de colère. Il s'est mis à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville était dans la confusion. Mais quand, verset 34, mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? On dit qu'ils ont réussi à mentir aux Éphésiens, aux Asiatiques et au monde entier, parce qu'elle était devenue au monde entier, que le simulacre, la statue de Diane est tombée du ciel, que Dieu a jeté sa statue, c'est tombée, ou c'était sur la cour
de Démétrius, où c'était juste dans son champ, sans se casser. Parce que tu disais, tu tombes quand même sans te casser, c'est un miracle. Ils ont réussi à convaincre les gens que Diane est la déesse. Et les gens sont mis à adhérer Diane. Aujourd'hui, ils ont réussi à te convaincre que Marie est montée au ciel. Elle est la déesse, la reine des apôtres, la reine du ciel, la mère de Dieu. Tu es là, tu es convaincu que oui, oui, Marie, tu laisses même Jésus. On dit que réussis, je vous salue Marie, 9 fois, notre Père, 1 fois, sans te dire rien. Tu ne vois pas un détournement de l'objectif de Dieu. Le but de l'évangile, le but des prophéties, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, mon frère. Il n'y a pas de salut en Marie. Il n'y a pas de salut en Paul. Il n'y a pas de salut en moi. Il n'y a pas de salut en Pierre. Il n'y a pas de salut en Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale de l'âme, dit l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel. Vous voulez inventer quelle qualité autre du ciel? Quelle autre qualité du ciel? Il n'y a sous le ciel, dit l'apôtre Pierre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Dans Philippiens 2, l'apôtre Paul dit que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Mais on te dit que les cieux, je vous salue Marie, 9 fois, et notre Père, 1 fois, tu avales. Mon frère, est-ce que tu veux vraiment entrer au ciel? Ma soeur, est-ce que tu es vraiment, c'est vraiment le salut de ton âme? Ou alors tu es là pour défendre les religions? Tu peux défendre ta religion. Tu es libre. Mais sache qu'un jour, chacun rendra des comptes à Dieu. Tu monteras à Dieu où on a dit la vérité que Marie est montée au ciel. Où il t'avait dit qu'elle est là, il y a une reine au ciel. Tu seras dans la confusion totale. Tu seras comme un voleur qu'on prend en flagrant délit. Comme un adultère qu'on prend en flagrant délit. Avec les vidéos, tu seras dépassé. Tu seras dans la confusion totale. Approche-toi de l'écriture, tu ne seras jamais déçu. Voilà. La confusion. Il dit que cela étant incontestable. Ils disent que c'est incontestable puisque tout le monde savait que son simulacre est tombé du ciel. On a réussi à mentir et c'est le business. Ils vendaient, faisaient les tanks de Diane, ils vendaient ses idoles. C'est ce qui se passe maintenant. Et on a réussi à convaincre les gens. Ils ont vu son nom de Diane. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Mes frères, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Je veux donner ma parole de conclusion. Ne croyez pas aux dogmes. Ne croyez pas aux fables. Qui n'ont aucun fondement biblique, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, mes bien-aimés. Ne croyez pas aux fables. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu a éprouvé la parole. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Verset 6. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà les gens qui ajoutent à la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, ils viennent ajouter. Dieu les appellera menteurs. Et dans Apocalypse 21, 8, il dit, tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps de Adam, de feu et de souffle. Ne reste pas parmi les menteurs, mon frère. Deutéronome chapitre 4, verset 2, Dieu dit encore, Dieu disait, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Les autres sont allés ajouter qu'il y a une Diane qui est tombée, son simulacre qui est tombé du ciel. Hé, mes frères, les gens, les juifs ont allé croire jusqu'à adorer dans Jérémie 7 et dans Jérémie 44 une déesse qu'on appelle reine du ciel. Ce que Dieu n'a pas commandé et Dieu s'est irrité. Aujourd'hui, vous venez raconter encore qu'il y a une déesse qu'on appelle Marie. Ce que Dieu n'a jamais dit, ça ne se trouve, personne n'a rendu témoignage. La Bible dit que le témoignage de Troie est vrai. Il n'y a même pas un seul témoin dans la Bible. Le témoignage de Dieu ou de Troie témoin. Même un, il n'y en a pas. Et vous croyez en ça. Mes frères, vous voulez vous entrer au ciel? S'il vous plaît, accrochez-vous à la parole de Dieu et non au mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Pour l'Apocalypse, Dieu, par exemple, quand Jean est allé au ciel, il a vu tout. Il n'a pas vu Marie. Il n'a pas vu. Il a montré comment dans Apocalypse chapitre 5, Dieu donne le pouvoir à Jésus. On l'adore, Dieu et Jésus. Il a montré comment le Saint-Esprit se manifeste au ciel. Il a montré comment les 24 veillants se procèdent. Père, nulle part, il n'a vu Marie. Il n'a vu Marie. Il est selon l'histoire, le dernier apôtre à vivre. Et quand j'étais allé de Patmos à cause de l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas vu. Et il dit ceci, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Comme pour la dernière version, dit que c'est Jean qui était témoin, que Jean était là. Elle est morte à Éphèse, et il y a eu Assomption à Éphèse, Jean seul était là. Jean dit qu'il déclare, lui il a rapporté son livre, il a mis l'épître. Un Jean, deux Jean, trois Jean, il n'en parle pas. Et c'est l'enfer, il n'en parle pas. Vous avez trouvé votre part où? Si ce n'est dans le mensonge, dans des fables dogmatiques.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Vous comprenez que vous êtes en danger. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. L'apôtre Paul dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu, mes frères. Utile pour enseigner, pour convaincre. Vous convainquez avec quoi? Pour sans, on te convainc sans Bible. Alors que la Bible te dit que ce n'est pas l'écriture qu'on doit te convaincre. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Tu t'instruis avec quoi? Avec des fables. On parlera des fables tout à l'heure. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ta qualité d'homme de Dieu est accomplie dans les fables. Alors que l'homme de Dieu doit être accompli dans la parole de Dieu. Voilà la déclaration de l'apôtre Paul. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset. Avant même Timothée, je vais lire Philippiens. L'apôtre Paul dit ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelle parole forte, lui l'apôtre des non-juifs, des païens. Il dit que, où est-ce que nous avons reçu de Paul que Marie est montée au ciel? Où est-ce que nous avons entendu ça de Paul? Vous venez inventer et vous pensez que Dieu pourra être avec vous. Comment, mon frère? Comment? 1 Timothée chapitre 1er, le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Encore Éphèse. La ville des mensonges, la ville des fables, la ville de Diane, du démon qu'on appelle du ciel. Encore Éphèse. Paul a laissé Timothée à Éphèse exprès. Pour faire quoi? Écoutons. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'en avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Les gens ne doivent pas s'attacher aux fables, les histoires qu'on raconte à minuit, des bateaux, des histoires. La fable de la fontaine. Et d'autres, nous, on était enfants, on croyait même que c'était vrai. Alors que c'est des histoires qu'on a racontées. Mais bien aimé, c'est des fables dogmatiques. Il a laissé Timothée à Éphèse, il y avait trop de fables. Et la dernière version dit que cette fable vient d'Éphèse. On a enlevé Jean, on a mis Marie. C'est toujours une version catholique qui dit que ça vient d'Éphèse et Jean était le seul témoin. Paul dit à Timothée qu'il doit laisser les faits. Ne vous attachez pas aux fables. Toi, tu t'attaches aux fables sans fondement. Mais de s'attacher plutôt à quoi? La parole de Dieu. La sola scriptura, l'écriture. Jésus dit l'écriture ne saurait être anéantie. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Toi, tu t'attaches aux fables, aux histoires. Tu ne connais même pas les gens là. On te dit que c'est un homme de croix. Tu crois aux bêtises, aux mensonges, mes frères. Et si tu ne veux pas être sauvé, reste là-bas. Crois, demain même pas, même couche-toi même devant la statue là. Les statues là ne se ressemblent même pas. L'autre a le bleu aux lèvres, aux yeux, l'autre a les tuyaux, ça dit que ça ne se ressemble même pas. Finalement, je ne connais même pas la face de Marie. On ne sait même pas. L'autre, on a rendu petit, elle est devenue petite, on a mis au doigt, on a mis une petite tue comme la bougie, une petite tue comme un insecte au doigt. Tu dis toujours que c'est Marie, et tu prends, tu vas baiser que c'est Marie là-bas. Oh mon frère, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment on a réussi à te tromper. Comment des intellectuels ont réussi à se corrompre de cette manière, ou alors c'est seulement le business, c'est la recherche de l'argent. Ça vous engage. Chacun fait son choix. J'ai fait ma part. Et j'exhorte les gens à suivre Jésus comme j'ai suivi Jésus. Et Dieu, car il viendra un temps, 2 Timothée chapitre 4, verset 3, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul rappelle à Timothée que les gens vont détourner l'oreille de la vérité. La parole de Dieu, la vérité, c'est quoi? Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous vous détournez de la parole de Dieu. Que Jésus reconnaît que c'est la vérité. Pour vous tourner vers des fables. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que supplie les frères de quitter de ça. Tite, il parle aussi à Tite. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi? Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, des fables d'Éphèse, éphésiennes et des fables judaïques.
et a des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est des gens que les choses ont inventé. Ils n'étaient pas là. Ils ont inventé ça. Et ils se détournent de la vérité. Vous les suivez. L'apôtre, pour nous, avons eu le temps de mettre les gens en garde. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas en effet, 2 Pierre chapitre 1, verset 16, ce n'est pas en effet, en suivant des fables. Vous voyez, il y avait trop de fables. Ils même savaient. Les gens devaient raconter des histoires, des fables dogmatiques. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues. Quelqu'un vient dire que son simulacre est tombé du ciel. Vous ne voyez pas comment cette technique. Et les gens croient, on dit que voici la statue là ici. Et les gens pièrent, ça devient. Oh, elle est apparue à Simalène. Elle est apparue à Lourdes. Elle est apparue derrière. J'ai même vu sur internet là une vidéo où on a filmé en train d'apparaître. Et les gens se mettent à genoux, mais c'est seulement du côté à l'envers. Hé, mes frères, les fables, vous croyez? Oh, ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ils ont vu la majesté de Jésus, ils ont parlé. Le verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il dit que la parole prophétique, la Bible est d'autant plus certaine. C'est elle que nous devons nous accrocher. Et non pas sur des fables, des histoires que tu ne peux pas avoir des preuves. Des histoires. L'apôtre Paul dit encore que si quelqu'un vient à vous annonçant un autre évangile, c'est qu'attendre de ce qu'eux, ils ont dit. Que la personne soit maudite, qu'elle soit anathème. Quand ce serait même un ange qui va venir te dire que vraiment tu as même vu l'ange et il vient te dire un message qui n'existe pas dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il soit maudit, dit l'apôtre Paul. Galates chapitre 1, verset 10-11, qu'il soit anathème. Oh, mes frères, ne soyez pas anathème. Et une autre sœur me disait que non, Jésus a été enlevé et Marie a été élevée. C'est ce que son soi-disant homme de Dieu lui a dit. Et ça me fait rire qu'il a été, Jésus n'a pas été élevé, mais il a été enlevé. Mais Marie a été élevée dans la gloire. Dieu est Dieu faux! Mais lisons simplement l'Écriture. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus a été élevé. Témoignage de la parole de Dieu. Ils vont dire non, c'est une élévation physique. Vérifions. Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 31, dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé par sa droite. Dans Philippiens 2, 9, il est dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est élevé. Celui qui est enlevé est élevé quelque part. Mes frères, même si c'est humainement, puisque tu te lèves dans les hauteurs. Amen. Hébreux 9, 5, 9 dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a été élevé. Celui qui est enlevé, qui a vu l'ascension, est élevé. Mon frère, Jésus est le seul élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les cieux. Et c'est lui qui est le sauveur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te fasse du bien. Ne manque pas de t'abonner sur ma chaîne, de partager cette vidéo, même cette nuit, au maximum, à l'ensemble de ceux qui croient en ces choses, en ces fables. Si quelqu'un est sincère, Dieu certainement pourra l'éclairer et il sera délivré de ce mensonge grossier du diable pour détourner les gens, envoyer le maximum en enfer. Donne ta vie à Jésus. Jésus est le Seigneur. Jésus est le chemin. Tu peux prier, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Crois en Jésus et en personne d'autre. C'est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom.